Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal. Voilà mon nouveau setup de travail pour 2022. J'avais comme objectif de construire un bureau qui me donne envie de travailler, qui me permette d'être plus productif, qui ait le moins d'impact possible sur ma santé, mais aussi qui me permettent de jouer de temps en temps. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les équipements que j'utilise dans cet espace de travail. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la description des liens pour les retrouver plus facilement. On commence tout de suite avec la base, le bureau. Alors déjà, les pieds, c'est des bécantes de chez Ikea. Je les ai récupérés de mon ancienne configuration parce qu'ils sont super quali pour le prix et ils peuvent supporter jusqu'à 100 kg. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais c'est assez important quand on sait le poids du plateau que j'ai mis dessus. Mais surtout, ces pieds, ils sont facilement réglables en hauteur, ce qui est intéressant pour avoir la position assise la plus ergonomique possible. C'est-à-dire quand on a nos coudes qui font un angle de 90 degrés, lorsqu'on a la paume de nos mains sur le plateau du bureau. Le plateau, lui, c'est l'élément central de tout cet espace. Il fait 30 kg, 1,86 m de long, et ça me tenait à cœur d'avoir un plateau en bois clair pour avoir une base naturelle et agréable au toucher. Je voulais absolument m'éloigner des plateaux de bureau classiques qu'on peut retrouver dans des open space. Pour moi, ils font assez impersonnels et aseptisés. Mais pour ne pas le payer trop cher, je suis allé à Ikea, au rayon cuisine, aussi bizarre que ça puisse l'être, pour prendre un plan de travail en bois stratifié. C'est 10 fois moins cher qu'un plateau de bureau en bois massif. Celui-là que j'utilise, par exemple, c'est un Saljan et il m'a coûté que 59 €. Ensuite, pour la chaise, je suis passé d'une chaise random achetée sur Amazon à la chaise gaming de chez Ikea, dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. Quand je l'ai choisi à Ikea, l'important pour moi, c'était d'avoir une chaise blanche pour aller avec le thème très clair de mon bureau. Mais c'est sûrement la prochaine chose qui va changer dans ce setup, parce qu'elle n'est pas du tout ergonomique. Il n'y a aucun support lombaire et très peu d'ajustements au niveau du siège. C'est une chaise qui reste confortable, mais pour passer 8 à 10 heures par jour dedans, c'est pas l'idéal et je pense que c'est important d'investir dans son dos. Maintenant, pour ce qui est de l'écran, je suis passé à un setup mono-écran avec cette ultra-wide de chez Xiaomi. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi de faire le switch, parce que j'ai toujours travaillé avec un double écran. Je suis en général beaucoup plus efficace en montage lorsque j'ai l'espace suffisant pour afficher en même temps toutes mes timelines, mes assets, etc. Mais pour ce nouveau setup, je voulais un design plus épuré, plus minimaliste, et un écran ultra-wide, c'était le bon compromis entre les deux. Avec son format en 21/9, on a quand même pas mal plus de place en horizontal que sur du 16/9, et en plus il existe des applications comme PowerToys qui permettent d'en tirer un maximum. On peut établir des zones de l'écran dédiées à chaque application, épingler des fenêtres à l'écran, et beaucoup d'autres fonctionnalités très appréciables quand on a qu'un seul écran. Mais malgré tout ça, c'est pas impossible que je revienne sur un deuxième écran à l'avenir, parce que c'est quand même très agréable d'avoir cette flexibilité là, et surtout pour le gaming, perso j'adore jouer un jeu sur mon écran principal et en même temps avoir une vidéo YouTube ou un stream sur le côté. En parlant de gaming, cet écran c'est un énorme plaisir pour jouer. C'est du 144 Hz, une résolution en 2K et avec un aspect ultra wide qui nous donne un champ de vision in-game hyper immersif. Je pense que si je devais revenir en arrière, sur du 16/9 du coup, j'aurais beaucoup de mal. Et pour limiter la fatigue au niveau de la nuque, j'ai mis cet écran sur un support articulé qui me permet de le mettre assez facilement au niveau de mon regard. En plus d'être intéressant d'un point de vue ergonomique, ça donne un style plus clean avec plus d'espace sur le bureau et aussi un meilleur cable management. Ce support précisément, il vaut vraiment le coup parce que même si l'écran fait 11 kg, je peux le placer précisément où je veux et ça même en inclinaison, ce qui n'est pas le cas de tous les supports. Ensuite, vous avez sûrement remarqué la petite lumière posée sur l'écran, c'est la light bar de chez Xiaomi. Elle donne une ambiance très sympa au bureau, en plus d'être très pratique avec sa télécommande Bluetooth, mais elle est surtout là pour protéger mes yeux. S'il y a trop de contraste entre la luminosité de l'écran et le reste de la pièce qui serait plongée dans le noir par exemple,
ça peut avoir de lourdes conséquences sur nos yeux. Je préfère utiliser une light bar qu'une lampe de bureau, parce que ça introduit assez rapidement des reflets dans l'écran et des ombres quand on veut utiliser le plateau pour écrire. Et surtout, une light bar, ça permet de gagner pas mal d'espace sur le bureau et d'avoir moins de câbles apparents. En plus de cette lumière, j'ai installé une bande de LED derrière le bureau que je contrôle directement avec mon téléphone pour créer un éclairage indirect. C'est une combinaison que je recommande à tout le monde parce qu'elle permet d'avoir un environnement de travail mieux éclairé en réduisant le contraste avec la forte luminosité de l'écran, et en plus de ça, elle crée une ambiance qui met bien en valeur le clavier. En parlant de lui, je vous présente mon petit clavier custom. Ça faisait longtemps que je me renseignais sur le sujet, sur le fait de construire son propre clavier, choisir ses propres composants, etc. Et comme je me faisais un nouveau bureau, je me suis dit qu'il me fallait absolument un clavier qui matche bien avec le thème. Alors apparemment, ce hobby est assez dangereux pour le portefeuille, donc j'ai essayé de faire assez minimaliste en partant sur une base de cassis aluminium de chez Keychron, avec des switches Gateron Red et des keycaps blanches les plus simples possibles. Et j'ai fait quelques mods pour avoir un meilleur son et un meilleur toucher. C'est d'ailleurs pour rester dans cet esprit minimaliste que j'ai choisi un clavier et une souris sans fil. Directement, ça donne l'impression d'un bureau beaucoup plus rangé, beaucoup plus plaisant à regarder. La souris, elle, c'est une Logitech G305, une souris qui est à la fois adaptée pour du gaming, avec son poids de 99 grammes et ses boutons sur le côté, tout en gardant un design assez simple et épuré qui matche bien avec le reste du bureau. Donc quand j'ai vu qu'elle était à 39 euros sur Amazon, c'est vrai que j'ai pas trop hésité. Sous la souris, on a ce tapis en feutre qui vient éclaircir le plateau en bois et qui a un toucher très doux, hyper agréable. Bon, c'est vrai que pour le gaming, j'ai un autre tapis de souris qui est lui, plus adapté, où la souris glisse mieux et avec laquelle j'arrive à être plus précis. Mais pour la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour ce tapis en feutre. On passe maintenant à la partie la plus importante du setup, le PC. Normalement, je le mets sous le bureau pour avoir plus de place, mais là comme je vous en parle, je l'ai mis un petit peu en valeur. Alors en tant que freelance dans l'audiovisuel, c'est en partie grâce à lui que je gagne ma vie aujourd'hui, et du coup c'était crucial pour moi d'avoir une machine qui puisse tenir le coup, peu importe le projet. Avec ma config actuelle, j'ai aucun problème à travailler sur des gros projets After Effects ou à traiter des heures de rush en 4K sur Premiere, et ça même avec des gros codecs. Si vous voulez retrouver la config exacte que j'ai, allez dans la description, je vous ai mis un lien vers le site de PowerLab qui m'ont aidé à le monter, et je vous recommande clairement de passer par eux. Après, ce qui est plutôt pratique quand on a une machine de montage bien puissante comme celle-là, c'est que c'est aussi une sacrée console de jeu. Je peux faire tourner la plupart des jeux en 2K entre 100 et 144 FPS, et ça même avec l'écran ultra-wide qui, honnêtement, demande pas mal de ressources au PC pour afficher tous ces pixels en plus. Et c'est tous ces éléments-là qui m'ont peu à peu fait sortir de l'écosystème d'Apple, parce que c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir une seule machine pour à la fois travailler et jouer. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un MacBook Air M1 qui, même s'il est très bien, ne me sert plus que de backup quand je suis sur un tournage. Maintenant, pour ce qui est de l'audio, je suis resté sur mon ancien setup, c'est-à-dire une Go XLR Mini, un Shure MV7 et ce beau bras articulé. Si vous voulez en savoir plus sur l'audio et les lumières que j'utilise pour faire mes vidéos, vous pouvez cliquer sur cette vidéo dans laquelle je vous explique tout. Et si vous voulez me suivre sur Twitter ou Instagram, je vous mets le lien dans la description.